Je l'ai enfin reçu, oui, j'ai enfin eu la caméra que je voulais, la Sony ZV-1. Oh là là, je suis trop content. Hello tout le monde, c'est Bartons, et aujourd'hui, vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de la Sony ZV-1. Ça fait longtemps que j'attends cette caméra, là, je l'ai enfin eu, après beaucoup de temps d'attente, beaucoup de travail que j'ai pu faire. Je suis trop content d'enfin la recevoir. Donc aujourd'hui, on va la déballer, on va l'unboxer, et après, du coup, je ferai un test. Pour voir du coup avec la caméra que je filme, qui est la Razer Kaio, une image s'affiche tout de suite juste là. Voilà. Et en début d'année, aux toutes premières vidéos, je filmais avec cette caméra là qui est là. Voilà. Donc une année, trois caméras. Et donc là, cette caméra elle va être incroyable, surtout dans pas longtemps. Je vais partir en voyage. Donc du coup, je pourrais faire des putains de vlogs. Donc c'est parti. Tiens, regardez. En plus, regardez comme là la vidéo est bien préparée. Il y a la caméra qui me filme là. Et là, il y a une autre caméra. Coucou. Donc là, c'est parti. Oh les gars, vous imaginez pas à quel point je suis trop content. Donc, let's go. Oh, 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 ok. Ah, il y a du scotch. Faut que je prenne les ciseaux. J'ai trouvé un couteau. Posez pas des questions pourquoi j'ai des couteaux. Ok, premier couteau, enfin premier scotch, deuxième scotch. Vous êtes prêts? Donc là, on a la petite chose de Sony. Là, on a un carton de protection. Là, du coup, on a le grip, enfin le trépied, du coup, télécommande. Attendez, focus. Là, il y a des petits boutons pour savoir bien comment gérer la caméra. Ensuite, ici, nous avons la caméra. Voilà, la caméra est juste là. Ça, c'est quoi? C'est un truc de protection ou quoi? Ouais, le carton. Et carton de protection, carton de protection. Ok, donc je mets tout ça de côté. Et là, du coup, nous allons nous attaquer du coup d'abord à ça, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Oh là 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 là, ça arrive. Donc là, on a le grip. Oh, allez. Donc en fait, on appuie sur ce bouton-là, et du coup, ça peut permettre de faire bouger le trépied. Et quand on appuie pas, vous voyez, ça bouge pas. Donc là, c'est pour filmer. Là, c'est pour faire une photo. Ça, je crois que ça doit être pour zoomer, choses comme ça. Et après, voilà le petit trépied qui tient sur ma main. ainsi, du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est la housse. Oh, j'aime bien la matière. C'est une matière stylée. Attends, il y a aussi les notices. Ouais, c'est ce que je disais. Du coup, c'est ce que je vous ai dit, mais écrit sur papier. On va passer la caméra maintenant. Oh, on va foutre ça là, je sais pas si on voit encore. Vas-y, je vais mettre ça là, vas-y là. Et là maintenant la caméra. Et oui, ce que j'ai. Ouais, la caméra. Oh. Donc là c'est quoi? C'est aussi les petites notices ouais, de Sony, regardez tout ça là. Chose de Sony. Je regarderai après plus en détail si ça correspond à quoi. Je vais mettre tout ça là où il y a l'autre boîte. Ça c'est du coup ça va être le manuel, putain je vais pas le lire. Et maintenant du coup, sous vos yeux ébahis, la caméra. Ça, la caméra, j'ai dit le meilleur pour l'avant. Donc là je prends d'abord, ça c'est le micro avec le bonnet de chat, je crois que ça s'appelle comme ça, le truc de chat. C'est un truc anti-vent, du coup quand il y a du vent, du coup ça permet de mieux capter la voix et qu'on n'entend pas les du vent. Le petit câble pour charger. Ok, donc c'est un USB. Et maintenant, l'appareil. Le mastodon. Oh, oh. Waouh. Et donc là, en fait, on enlève ceci.
soit qu'on faut faire glisser. C'est ça. Et ensuite, on vient foutre la mousse. Voilà. Et ça donne ça. Enfin, je crois. Oh putain, je suis trop content. Bon, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais du coup mettre la caméra sur mon PC et tout ça pour faire pour enregistrer avec OBS. Et du coup, on voit la différence entre cette caméra là et l'autre. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on va tester du coup la Sony ZV1. Sauf que du coup, je vais pas la brancher à mon PC parce que j'ai pas le câble qu'il faut et tout ça. Et j'ai la flemme de le chercher parce que j'ai vraiment envie du coup de découvrir un peu ce que cette caméra peut faire. Donc là, je l'ai posé sur un vieux trépied que j'avais, que j'ai retrouvé au fin fond de mon studio et tout ça. Donc le plan que vous allez voir, c'est pas le plan définitif, mais au moins vous voyez du coup un petit aperçu. Donc dans 3 secondes, vous allez voir à quoi ressemble l'image de la Sony ZV1. Là je vois, c'est magnifique, là c'est incroyable. Donc regarde, j'ai l'impression d'être devant un miroir. Ok, donc 3, 2, 1, voici ce que donne la Sony ZV1. En vrai, la qualité, elle est magnifique, elle est archi propre, c'est magnifique. Oh là là, je suis trop content, c'est du 4K, 4K, attention. Ok, on repasse maintenant sur notre caméra, voilà, vous avez vu. Et maintenant, on met un plan coupé en deux pour voir la différence des deux. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment la Sony ZV1, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et puis, bah voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai fini du coup de tester la Sony ZV1, ce petit bijou que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de temps à la voir. Donc je suis trop content de la voir. En plus, la semaine prochaine, je pars aux États-Unis. Donc du coup, c'est cool, je vais essayer de faire des petits vlogs et tout ça pour vous montrer comment se passe mon séjour aux States. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Partoons. Bye.